Il a donc insisté lourdement sur cette dimension individuelle au service du collectif, parce que nous sommes interconnectés, interdépendants. Ce qui va se passer dans mon foyer, la manière dont je vais le vivre à l'échelle mondiale, ça va se ressentir. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est un divorce entre deux peuples. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est de la trahison, du mensonge. On ne se positionne plus car le faux prédomine le vrai. Mais c'est ce qui se passe aussi parfois en nous-mêmes. En nous-mêmes, nous nous mentons. On vit dans une supercherie à l'intérieur de nous-mêmes qui est juste exceptionnellement, incroyablement fausse. Ça, il faut vraiment revenir déjà à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que ce que nous vibrons en nous, on l'attire. Nous attirons ce que nous vibrons. Vraiment le comprendre. Je vous invite vraiment à vous renseigner, à faire des recherches.